Ainsi Baruch Urgell, le sinistre assassin du Creek sanglant, n'a pas renoncé à ses entreprises criminelles. Après avoir réussi à gagner la confiance du célèbre chimiste français Gaston de Montbreuil, qu'il avait recueilli dans son manoir de la côte bretonne, il l'a sauvagement assassiné pour s'emparer des extraordinaires diamants que le chimiste venait juste de réussir à fabriquer dans son laboratoire. Son crime accompli, il a réussi à quitter la France. Toutes les polices sont sur ses traces. Son portrait est à la première page de tous les journaux du monde. Des primes énormes ont été offertes pour sa capture. Mais où est-il? Dans leurs dernières éditions, le New York Times, le Washington Post et le Chicago Review publiaient des témoignages concordants sur sa présence à New York, New York, où nous nous rendons immédiatement. Je reprendrai bien une assiette de ce potage à la queue de bœuf, Mr. Grifton. Ah, vous savez bien qu'il y en a tout juste pour tout le monde. C'est une modeste famille en hausse ici. Ce n'est pas le Waldorf Astoria. Mais puisqu'il en reste... C'est pour Monsieur Warren, qui n'est pas encore arrivé. Eh bien, il n'a qu'à arriver à l'heure comme tout le monde. Tiens, justement, le voilà. Ah, Monsieur Warren! Encore en retard. Combien de fois faudra-t-il vous répéter que l'une des règles de mon établissement est une exactitude ponctuelle et une régularité parfaite dans les paiements? Vous comprenez ce que je veux dire, Monsieur Warren? Non, pardonnez-moi, Mistress Grifton. Pardonnez-moi, je croyais bien que je suis vraiment ennuyé de pas pouvoir encore vous payer ma petite note. Mais... vous savez, dans mon métier de placier en chimique produit... Oui, je sais. Je vous promets que demain, justement ce soir, j'ai conclu une grosse affaire et j'attends $50 pour demain matin. Alors je vous donne encore jusqu'à demain. Merci. Allez manger, ça va être froid. Merci. Bon, je reconnais que vous avez toujours fait votre possible pour me payer. Merci, Mistress Clifton. Mais qui a encore pris mon New York Times? Voilà, Mistress Clifton. Je croyais que vous l'aviez fini. Avec tout le travail que vous me donnez, je ne l'ai pas encore commencé. Voyons. Tiens, mais ce n'est pas trop tôt. La police est enfin sur les traces de Baruch Urgell, le fils du milliardaire, qui a assassiné un vieux savant français pour lui voler ses diamants. Oh, si c'est pas malheureux, une chose pareille. Qu'en pensez-vous, Monsieur Warren? Vous savez, Mistress Grifton, avec tout le travail que j'ai pas tellement le temps de lire les journaux. Baruch Urgell, c'est quand même un nom qui vous dit quelque chose, non? Baruch Urgell? Je ne connais pas, non. Non, ce nom-là ne me dit rien du tout. Il y a même sa photographie. Ah? Vous ne trouvez pas qu'il vous ressemble un peu, Monsieur Warren? Regardez. Quelle horreur! Ils ont encore lynché un nègre à Birmingham, en Alabama. Oh. Et vous savez comment? Dites-nous. Ils l'ont enduit de pétrole. Ils l'ont grillé vif. Horrible. Same problem, the negro. Mais moi, je ne trouve pas ça drôle du tout. Les nègres, ce sont tout de même des hommes, non? The negro. Oui. Eh bien, Monsieur Warren, vous nous quittez déjà? Excusez-moi, Mistress Grifton, mais je vais faire un petit tour dans la 3e avenue avant de me coucher. J'ai besoin de prendre un peu l'air. Bon. Alors, je compte sur vous pour demain, n'est-ce pas? Oui. Sans faute. Oui, sans faute, Mistress Clifton. Merci. Excusez-moi. Thank you.
retourner chez la mère Grifton. Chippy. De toute façon, je pourrais pas la payer. En fait, qu'est-ce qui me reste? $1. Tant pis. Oh, sorry. Vous pourriez regarder où vous marchez, non? Mais dites donc. Excusez-moi. Ce n'est pas parce que vous ressemblez à Baruch Jorgel qu'il faut bousculer les passants. Ah, allez au diable. Il est mieux de filer avec les policemen, on ne sait jamais. Non, merci, merci, je vais suivre votre conseil. Pas de quoi, la vie, des couilles, elle est plein. Belle. Heureusement, on n'y voyait rien dans cette ruelle. Le brouillard. C'est que je pourrais aller maintenant. Tiens, après tout, si je retournais chez Mistress Grifton. Non, idiot. Voilà. C'est finalement, aussi stupide que soit cette vieille écossaise, elle finirait bien par me reconnaître. Avec tous ces millions de diamants sur moi, me voilà obligé de coucher dans la rue comme un clochard. Oh. Ouais. Tiens, bon, après tout, je dormirai bien ici, n'importe où. Ah, ce Porsche fera bien l'affaire, ouais. Vous voyez pas que c'est occupé? Foutez le camp! Y a pas de place pour deux. T'entends? Fous le camp! Même pas marcher comme ça toute la nuit, non? Avec les policemen partout, je vais finir par me faire arrêter. Tiens, personne sous ce porche-là. C'est mon affaire. Oh. Eh bien, Baruch, voilà ta chambre pour cette nuit. Maintenant, avec un peu de chance, je trouverai bien une solution pour demain. Oh. Pour que je balaye. Débarrassez le plancher. Vous voyez pas qu'il fait jour. Allez, ou bien j'appelle la police. La police. Pourquoi la police? Alors, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Demandez le million de tops. On vient d'apprendre que Baruch Jorgel s'est caché dans une family house de la 3ème avenue.
Demandez le New York Times. Après tout, j'ai bien fait de ne pas y retourner chez Mr. Scrifton. Hé passe. Deux cents, monsieur. Five cents. Sorry. Demandez le New York Times. Demandez le New York Times. Les plus dernières nouvelles. Nouveaux détails sur l'assassin. Bankok. Sans intérêt. Quoi encore? Ah bon, j'ai droit à tout. Ils ressortent même mes crimes New York City. Je suis célèbre, célèbre. Quand je pense qu'il y en a qui se cassent les culs pendant 30 ans. Plein de sœurs, faire du théâtre. Et moi, couper les têtes, hop, célèbre. Même mon père doit en faire une tête. Il a été obligé de vendre ses parts, imbécile. Les parts de Yorgal City de s'installer à New York. Il ne fera aucune démarche pour m'arracher au châtiment. Cher père. Oh. Pas possible. Mais je suis sauvé. Vite, entrons dans ce café. Mademoiselle, mademoiselle. Yes, sir. Vous avez l'annuaire du téléphone. Voilà. Ok. G, G, K, G, K, G, cra, 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 cram. Ah. C'est lui. 5e avenue. 1385. Ok. Vous le désirez, monsieur? Et je désirais voir le docteur Cornelius Cram. Monsieur a rendez-vous? Non. Alors c'est impossible, monsieur, le docteur ne vous souhaite que ce rendez-vous. Oui, mais il s'agit d'une affaire grave, très grave même, et d'une affaire urgente, et je voudrais je absolument... Je regrette, mais ma consigne est formelle. Au revoir, sir. Non, non, attendez, je vous en prie, attendez, je suis un ami du docteur, et il faut absolument que je lui parle. Tenez, attendez. Voilà, une minute, je l'ai. Voilà, remettez-lui ce petit mot. C'est sans espoir, mais puisque vous insistez. Attendez ici. Merci. Pourvu qu'il me reçoive. Monsieur le docteur consent à vous recevoir, si monsieur veut bien me suivre. Ah, merci. Si monsieur veut bien s'asseoir, le docteur sera là dans un moment. Merci. Darek Yorgel, que faites-vous dans ma maison? Eh bien, docteur... Pourquoi êtes-vous venu vous réfugier chez moi? Je dis bien, chez moi! Mais où voulez-vous que j'aille? Qui d'autre que vous pourrez me donner asile? Mais, rappelez-vous qu'autrefois... Autrefois n'est pas aujourd'hui! Il n'y a plus rien de commun entre nous. J'espère que vous réalisez les graves ennuis auxquels vous m'exposez. Oui, mais je vous en prie, je suis sans argent, chassé de partout, traqué comme une bête fauve, et j'ai pensé... On peut vous avoir filé jusqu'ici, les policemen sont peut-être là, dehors, à la porte. Non, Monsieur Yorgel, je ne me compromettrai pas pour un misérable comme vous, allez-vous-en. Ah non, vous ne me chasserez pas ainsi, au point où j'en suis maintenant. Des menaces. Une arme. Excusez-moi, je ne sais plus ce que je fais, je suis complètement fou. Écoutez, aidez-moi, ne m'abandonnez pas, je vous en prie. D'ailleurs, si vous m'aidez, je serai généreux, je vous le promets. Généreux? Oh, je devine de quelle manière. Les diamants du chimiste français, sans doute. Oui, oui. Tenez,
Regardez. Regardez. Comme il va, je les ai cachés dans ma ceinture. Tenez, attendez, attendez. Voilà. Voilà. Voilà, regardez, dans le creux de ma main. Ça brille. Alors, hein? Et je vous préviens, j'en ai autant dans les poches secrètes de mon pardessus de mon veston. Une vraie fortune, en effet. Difficile à négocier, surtout dans la situation où vous vous trouvez. Je reconnais que c'est d'ailleurs assez original. Mourir de faim quand on a dans ses poches de pareilles pierres. Non, non, je vous en prie, ne vous moquez pas de moi, ne vous moquez pas de moi. Je vous ai fait voir mon butin, vous savez qui je suis, vous savez qui je suis. Je suis à votre merci maintenant. C'est tout à fait mon opinion. Je vous en supplie, docteur Cornelius. Faites quelque chose pour moi. J'en suis réduit aux pires extrémités. Je suis tellement à bout de force, tellement las de vivre d'expédients que j'en suis presque arrivé à penser à me livrer à la justice. Écoutez, Baruch, cela suffit. Je ne tiens pas à abuser de la situation. Mais est-ce que vous vous rendez compte que votre sort est entièrement entre mes mains? Mais comment pourrais-je ne pas me rendre compte? Très bien. Alors, je veux que vous compreniez qu'il est de votre intérêt de faire ce que je vous dirai. Vous voulez dire que... Oui, que je ne vous livrerai pas à la police. Ce n'est pas mon rôle. Écoutez, Baruch, je vais vous aider... Mais il faudra m'obéir. J'y suis forcé. Mais que faudra-t-il que je fasse? Je n'en sais rien encore, mais je trouverai. Nous ferons ensemble des choses grandioses. Et les diamants? Je vous reconnais bien, là. Et maintenant que vous vous sentez en sécurité, vous redressez la tête. Attention, Baruch Urgell. Attention. Mais quand je parlais de diamants, je voulais dire qu'ils étaient à vous. Non, je vous ai dit que je n'abuserai pas de la situation. Eh bien, les diamants, nous les ferons tailler dans les ateliers de mon frère Fritz Kram. Il les écoulera petit à petit dans ses succursales d'Europe et nous partagerons les bénéfices en trois. Vous, mon frère Fritz et moi. Mais au fait, vous devez avoir besoin d'argent. Il ne me reste pas un seul cent. Oh. Eh bien, tenez. Prenez déjà ce billet de $1,000. Merci. Vraiment, je vous remercie, cela m'aidera. J'en doute. Et pourquoi cela? Parce qu'il est probable que vous n'aurez guère l'occasion de les dépenser. Vous imaginez bien que pour votre sécurité, il est indispensable que vous ne sortiez pas de cette maison jusqu'à ce qu'on vous ait oublié. Je vais vous faire conduire dans votre chambre. Ah, Leonello, tu conduiras Mr. Jorgel dans l'appartement du second et tu lui donneras la chambre du jardin. Bien, docteur. Entrez. Ah. Votre breakfast. Merci. Et les journaux. Merci, Leonello. Que dit-on de moi? Beaucoup de choses, sœur. Ah. On dit que vous avez trouvé refuge chez les bandits de la main rouge. La main rouge. Qu'est-ce que les journalistes vont pas inventer? N'est-ce pas, sœur? Monsieur n'a plus besoin de rien. Non, non, merci, Leonello. Vous pouvez disposer. La main rouge. Eh oui, effectivement, on dirait qu'il n'est question que de cela. Cette association de malfaiteurs terrorise depuis plusieurs années les États du centre et de l'ouest de l'Union. Elle possède des ramifications dans le monde entier, mais n'a qu'une ressemblance de nom avec la célèbre association italienne. Oh, ce café est excellent. Ces membres appartiennent à toutes les classes de la société et comprennent même des banquiers, des grands commerçants, des médecins et jusqu'aux chefs de la police de nos grandes cités. C'est ce qui explique l'impunité inconcevable dont ont bénéficié jusqu'ici la plupart de ces membres. Ah, dommage que je n'ai pu entrer dans cette organisation.
J'aurais pas eu à me mettre entre les mains de Cornelius. J'ai seulement été réveillé en pleine nuit par votre malade. Mon malade? Eh bien oui, l'agité de cette nuit. Mais personne n'est venu ici cette nuit. Vous avez dû rêver, mon cher Baruch. Tiens, pourtant, j'ai bien... Dites-moi, Baruch, il y a longtemps que vous faites des cauchemars? Écoutez, je vous assure... J'ai toujours pensé que vous deviez avoir un tempérament un peu nerveux. Il va falloir que je songe à vous donner un traitement calmant. Cela fait maintenant 3 semaines que vous êtes ici. L'inaction doit être responsable de cette nervosité. C'est bien vrai. D'ailleurs, vous m'aviez promis de m'associer à des projets grandioses. Ce sont vos propres mots et j'attends toujours. Patience, patience. J'y pense. Mais il faut du temps. D'ailleurs, je pense que dans une semaine, j'aurai du nouveau pour vous. Ah. Entrez, Leonello. Votre breakfast, sir. Et les journaux. Vous pouvez les remporter, vos journaux, cette lecture insipide, mais Casper. Mon maître m'a aussi chargé de vous remettre ces 2 derniers ouvrages. Hein, montrez-moi. L'esthétique rationnelle de l'être humain. Moyen scientifique de prolonger la jeunesse chez l'homme et chez la femme, par le docteur Cornelius Cram. Et alors ? Ces ouvrages ont une très grande réputation dans les milieux scientifiques et c'est très mal vu chez les gens du monde de ne pas les avoir lus. Eh bien, je les lirai. Je les lirai. Merci, Leonello. Maintenant, vous pouvez disposer. Oui, 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 entrez, entrez. Votre breakfast, sir, et les journaux. J'en ai assez de cette vie, Leonello. Vous entendez? Assez. Vous m'entendez? Assez. Où est le docteur? Ça fait une semaine que je ne l'ai pas vu. Où il est? Justement, le docteur m'a chargé de vous prévenir de sa visite. D'ailleurs, le voici. Eh bien, mon cher Baruch, que se passe-t-il? Et il se passe que j'en ai assez de cette vie. Assez de cette prison dorée. Assez d'être là, à ne rien faire. Auriez-vous oublié, mon cher Baruch, dans quelle situation vous vous trouviez quand vous êtes arrivé ici? Oui, je sais. Inutile de parler du passé. C'est fort utile, au contraire. Je comprends que certains souvenirs vous soient pénibles, mais il est indispensable qu'il n'y ait entre nous aucun malentendu. Que voulez-vous dire? Lorsque vous êtes venu me demander asile, vous étiez traqué de toutes parts. Votre signalement était affiché partout, votre tête était mise à prix. Je vous ai sauvé. Vous m'avez sauvé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'aime mieux cela. Mais au fait, vous deviez bien connaître Joe Dorgan, le fils du milliardaire William Dorgan. Oui, en effet, je connaissais surtout son frère, Harry Dorgan. Je faisais la cour à ma sœur Isidora. C'est d'ailleurs à cause de lui que j'ai été obligé de quitter Yorgle City. Celui-là, si un jour je peux... Oui, je vous parle de Joe Dorgan.
Pas de Henry Dorgan. Joe Dorgan? Ah oui, je le connaissais un peu. Je me souviens d'ailleurs, nous avons passé une année dans le même collège à Boston. Mais dites-moi, pourquoi me parlez-vous de lui? Mais vous n'avez donc pas lu les journaux? Ça fait au moins une semaine que j'ai plus la patience de les lire. Alors. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il est arrivé à Joe Dorgan? Il a été enlevé par la main rouge. Lui aussi. Vous savez ce que les journalistes racontent. Je vois qu'effectivement, vous n'avez pas lu les journaux. C'est le plus grand scandale de l'Union depuis des années. La police de tous les États est sur les dents. Les journaux ne parlent plus que de cela. Du coup, ils vous ont complètement oublié. Et quand cela s'est-il passé? Il y a environ une semaine, Joe Dorgan, protégé par une escorte d'une douzaine de policiers, accompagnait un convoi chargé de l'or des fermages des propriétés de son père. Vous savez que son père possède toutes les terres de l'État de Californie. Pensez, si je le sais, évidemment. William Dorgan est le principal concurrent de mon père. Et mon père a toujours essayé de lui racheter ses terres, et sans jamais réussir. Bon, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le convoi a été attaqué par une bande de tramps au moment où il traversait un canyon imbourbé. Tous les policiers ont été tués. Ah, je reconnais bien là le style de la main rouge. N'est-ce pas? Ils sont très forts. Et ils ont même laissé leur marque. Ah. Chaque cadavre portait sur la joue l'empreinte d'une main dessinée avec du sang. Et Joe Dorgan? On n'a pas trouvé son corps. On suppose qu'il a été fait prisonnier. C'est une bonne surprise. Avec la fortune que possède son père, la main rouge peut exiger une rançon considérable. J'avoue, j'aimerais bien voir la tête qu'a fait Harry Dorgan. Il se démène beaucoup. C'est lui qui a pris en main les recherches pour retrouver son frère. Eh bien, moi, si j'étais la main rouge, je m'en méfierais. Cet homme est dangereux. Vous avez peut-être raison. Après tout, c'est bien lui qui avait découvert que vous aviez volé le grand rubis de votre sœur. Et c'est encore lui qui avait découvert que vous étiez l'assassin du Crick sanglant. Mais écoutez, je vous en prie vraiment. Tout cela, c'est du passé, j'ai pas... Votre passé, mon cher Barrick, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Savez-vous que vous aviez avec Joe Dorgan une certaine ressemblance? Moi? Vous avez la même taille et la même corpulence. Avez-vous marché? Mais... Faites ce que je vous dis. Ah, oui, comme cela, revenez. Mais écoutez, dites-moi, qu'est-ce qui vous prend? Rien. L'enlèvement de Joe Dorgan me donne une idée. Une idée? Dites-vous, quelle idée? Eh bien, je vous demande encore un peu de patience. Vous le saurez demain. Demain, en écoutant le prochain épisode de notre grand feuilleton diabolique et médical, le mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, le sculpteur de chair humaine. Thank you.